Coucou, je rentre du boulot et j'avais du courrier dans ma boîte aux lettres, donc je vais vous ouvrir ça. Donc une carte, une petite carte comme ça qui me vient de Clarence M du 72 dans la Sarthe, du rose, offert par Nanou fait soi-même. Alors, avec amour, une petite carte comme ça. Et qu'est-ce que c'est? Oh, des petites découpes. Et une carte ATC. Alors. Ah, bah, je vais pouvoir la perforer. Parce que c'est une ATC, mais en fait, il n'y a pas les trous. Alors. J'ai perdu ma super perfo. Non, elle était là. Elle était dans ma boîte spéciale mémoire index. Donc je vous montre la petite carte. Mais il n'y a pas de trou. Moi je vais le faire, c'est pas grave. Attendez, hop. Je la mets bien. Tac, tac. Voilà. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Donc je vais pouvoir la ranger dans mon support en mémoire index. Voilà, merci. Et j'ai même pas lu ton petit mot. Bravo Coco. Ça se trouve sur le mot, il y avait marqué ne surtout pas percer. Alors, Coco, une petite mémoire d'ex pour te dire bonjour. Bah, bonjour. Bonjour, Clarence. Je n'ai pas fait la finition car je n'ai pas le matériel. Ah bah, tu vois, bah, c'est pas grave. Hein. Je débute le scrap. Continue à nous faire rêver. Bon, bah, si je te fais rêver, ça fait plaisir. Donc, le petit mot, je le mets là. Et là, il y a des petites découpes. Il y a des petites fées et des encadrements. Voilà, c'est sympa. Donc, hop, mon cahier est ici. Et je vais me glisser ton enveloppe à la page suivante, là. Voilà, hop, tac. Et comme ça, j'écrirai juste après ton adresse. Voilà, attendez, je remets dedans et je regarderai mieux les découpes tout à l'heure. Et je vais mettre ton adresse dans le carnet. Voilà, je vais essayer de pas le faire en vidéo à chaque fois parce que bah, ça prend un peu plus de temps, donc c'est pas la peine. Donc merci Clarence, une mémoire d'ex de plus. Ensuite, une petite lettre jaune avec un timbre obélix, voilà, qui me vient de alors je sais jamais, oui, Ghislaine, oui c'est ça, j'allais dire Ghislaine, non on dit pas Ghislaine. J'allais dire, je sais jamais si on dit Ghislaine ou Ghislaine, mais non, on dit Ghislaine. Du 03. Allez, hop, on dégaine le petit outil à Dali. Oh, c'est... Oh, ah non, j'ai eu peur de l'avoir déchiré. Ah, oh, c'est mignon comme tout. Une petite à tes coins, je pense. 1 sur 1, petit lapin. Ben, c'est pour moi le petit lapin. Donc je la remets dedans pour l'instant. Après je range. Je me justifie. Et je me permets de te tutoyer. Bah oui, hein, on se tutoie tous ici. Il n'y a pas d'âge, de niveau, de machin. Tout le monde se tutoie. Hein. Je te joins à une à tes coins. Comme tu as une très jolie boîte de rangement, hein, n'est-ce pas? Et que tu désire la remplir, donc j'ai voulu participer pour te remercier de tes tutos que je suis, ainsi que Luna Création. Ah ouais, c'est qui ça? Je connais pas. Je plaisante. Bien sûr que je la connais, Lucie. Étant débutante, c'est pas ma réalisation est pas parfaite, mais j'ai mis des paillettes et un petit lapin. Bah, il manquait des paillettes, un petit lapin, c'est parfait. Hein. Voilà. Bise, Ghislaine. Eh bien, écoute, on va se la mettre tout de suite dans la boîte. Hop, le courrier ici. Voilà,
sur mon calepin. Bim. Et bah, ma boîte. Je la cherchais en haut parce que l'autre jour je l'avais mise en haut. Donc la boîte de Nadine. Et hop, une de plus. Voilà. En fait, je crois que je vais marquer quand est-ce que je l'ai commencé. Ouais, je vais marquer quand est-ce que je l'ai commencé. Bon, on est en février. Je vais mettre janvier. Ouais, voilà. Je vais le marquer où, ça? Sur le petit truc. Début. Je verrai combien d'années je vais mettre pour la remplir. Attendez, il me faut un petit truc parce que mon stylo, il marche pas. Alors, début 2020. Ouais. Commencer. Fini. Hop. Voilà. Donc, à chaque fois, il va en falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, pour que je la remplisse. Donc, merci beaucoup. C'est sympa. En fait, c'est cool parce que dans les vidéos, enfin c'est, en même temps c'est cool mais en même temps c'est impressionnant parce que quand on parle de choses dans les vidéos vous retenez tout ce qu'on dit, c'est fou, c'est non mais c'est génial hein, en fait hein. Donc merci Ghislaine, on va passer à la suite avec un courrier qui a été ouais, comment on pourrait dire, qui a eu un seau derrière, voilà, voilà un seau en cire là, voilà, qui me vient de Martine du 36. You can do this, you can do this, you can do this. Ça veut dire tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Ouais, ouais, j'étais un petit peu à l'école quand même. Alors, qu'y a-t-il dans cette belle enveloppe toute rose de Martine? Alors, une petite carte avec des cœurs. Oula, tu m'as mis des timbres. Oulala, une grande lettre. Oulala, j'ai la lecture. Alors, j'ai pas mal de lectures, donc je vais lire vite en diagonale, je la relirai mieux après. Tu commences à scraper depuis le mois de novembre. Ah, je vous ai pas montré. Oh, je vous ai pas montré la carte. Voilà, tout en harmonie là. Tout est coordonné. Ouais, mais même des fois, avec peu de matériel, on est plus imaginatif, je trouve, et on arrive à faire pas mal de choses. Bah voilà. Bah. Voilà, il y a marqué j'ai peu de matériel, mais étant curieuse de nature et assez imaginative, ben voilà, c'est ce que je viens de dire. On est d'accord. Je détourne tout un tas de choses. Ouais, YouTube est vraiment un outil formidable, ouais, c'est sûr. Et piquer quelques petites idées de par-ci par-là, ouais. Donc j'ai envie de me lancer dans le défi de Sylvie. Ah oui. Et j'ai réalisé mes premiers ATS. Depuis, je n'arrête plus. Comme tu aimes que tout soit coordonné. Oh la relou que je suis. Et comme tu aimes que tout soit coordonné, j'ai fait la petite pochette. Oh, t'es trop mignonne. Avec la carte qui va bien. On est un peu dans le thème du moment. Alors. Tricot, crochet, broderie, peinture, scrap, oh. La dentelle de frivolité. C'est sympa. Oui, enfin comme moi, j'aime beaucoup la petite dentelle. Les couleurs en fonction de ton humeur. Ouais, souvent c'est ça. Bon, moi, j'ai une grosse préférence quand même. Mon humeur me tend souvent vers le rose, mais... Les rouges, j'aime la nature, les animaux. Trois chiens à la maison, un cheval, un poisson. Bah, il doit se sentir tout petit, tout seul, ton poisson. Les gens, là, ils sont sympas. Les pas sympas, je les laisse de côté. J'ai quitté la région parisienne pour une vie sans stress. Ah ouais. Oh, je vais arrêter là mon roman. Non, moi j'aime bien te lire.
Ouais, c'est bien de me remettre vos coordonnées à chaque fois dans les lettres, parce que je suis, vous êtes trop nombreuses et des fois je m'y perds. Oh, c'est gentil. Ma joie de timbre, voilà, pour moi, pour m'en servir. Adresse. Alors attendez, j'arrive pas à lire. Amovible. Ah bah oui, c'est cool. Ah bah comme ça, oui. Bah, en fait, toi, tu me suis bien, hein, Martine. Adresse amovible. Facile à transférer, pardon, sur ton cahier. Bah ouais. Elle m'a fait un petit papier. Bon, je vais pas vous montrer, hein. Voilà. Un petit papier comme ça qu'elle a joint à son courrier. Et en dessous, bon là, je vous ai caché avec le truc de la poste, de timbre. Mais comme ça, je prends directement le petit mot et pom, je vais coller dans mon cahier. Ça, c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Merci beaucoup. Alors, on va découvrir le petit ATS. Oh ouais, c'est mignon. Ah ouais, c'est mignon. C'est une petite... avec un petit cœur comme ça. Hop. Ah, c'est trop sympa. Et la petite pochette qui va avec. Merci beaucoup. C'est trop mignon. C'est trop gentil. Je vais la mettre dans ma boîte. Hop, faudrait je crois que Sylvie elle a fait une. J'ai pas regardé les tutos, mais j'ai cru voir passer qu'elle avait fait. Qu'elle avait fait une boîte, je crois, je suis pas sûre. Une boîte pour faire. Pour ranger les ATS. Faudrait que je me penche un peu sur la question. Ah, t'as le strass que j'aime bien. Alors, moi, le strass comme ça, on m'en avait offert. Et je sais pas où on les trouve ceux-là, mais je les adore. Franchement, les derniers que j'ai là, je les utilise vraiment au compte-gouttes. Mais je les adore, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Bah Martine, merci beaucoup, franchement. Et puis j'ai bien aimé te lire. Donc c'était un vrai bonheur. Et puis la petite ATS et tout, c'est trop sympa. Merci beaucoup. On va passer au courrier suivant. Ça fait déjà un quart d'heure que je blablate. Non, mais je me dis pour un quart d'heure, non, ça fait 5 minutes par lettre. Non, ça va, c'est une bonne moyenne. Une lettre de Sandrine du 37. Voilà, avec une enveloppe jaune et deux timbres verts. Voilà, mais bon, à mon avis, avec le prénom et le département, tu vas te reconnaître. Alors. Ah, elle est belle, il est beau le tampon là. Ou à moins que ce soit ton écriture. Je me demande si c'est pas ton écriture. Parce qu'il y en a, ils ont des. Alors je vais regarder, attendez. Je vais regarder à la. Ah, c'est possible que ce soit toi qui l'aies fait, ça. Qui l'aies écrit. Parce que à l'intérieur, il y a une très belle écriture. Donc à mon avis, c'est possible que ce soit toi qui écris comme ça. J'aime beaucoup la fluidité de la phrase. Deux petits ATS. 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 Un petit mot pour partager une petite défi de scrapsy. Peinture Fimo, ouais. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert ta chaîne YouTube que j'apprécie énormément. Cool. Deux ATS en plus, car ma fille, Louise, qui n'est jamais bien loin quand je scrape, a voulu en faire elle aussi. Oh, c'est sympa. Elle a quel âge? Je ne sais pas quel âge a Louise. Bah merci Sandrine. Oh, le petit lapin. Regardez, c'est adorable ça. Je vais chercher si j'ai pas un tampon un peu comme ça pour faire un truc comme ça, c'est trop sympa. Ah, et puis tu me les as mis. Alors attendez. Ah, c'est bien ça. Avec des coins. Vous voyez, des petits coins photo. Et juste à les poser dedans. Alors. Ah bah là j'ai ton âge.
Donc Louise, tu as 8 ans. Et ben celle avec le petit lapin, je crois que c'est ma préférée. J'avais pas vu avant qui l'avait fait, mais t'as vu? Direct j'ai vu celle avec les petits lapins. Je dis pas que l'autre me plaît pas, mais j'ai une petite faiblesse avec son petit popotin là. C'est trop mignon. J'aime bien en plus comment ils sont présentés, c'est sympa. Moi si j'aime bien, mais j'arrive pas à le remettre. Elle est pas douée la fille, hein. La fille, je parle de moi, hein. Je parle pas de toi, pardon. Attendez, non mais je vais réussir à la remettre, hein. Je suis têtue et patiente. Voilà, j'ai réussi. Et la deuxième, ça doit être signé Sandrine. Oui, voilà. Ah, c'est trop sympa. Bah, merci Sandrine et merci Louise. Franchement, t'as bien choisi. T'as vraiment bien choisi le petit lapin, j'adore. Surprise! Bah, je vais les mettre aussi dans mon petit bac. Alors, par contre, je vais plier en deux parce que j'ai un peu, tout petit bac. Voilà, comme ça, je l'ai plié en deux et puis je peux le mettre dedans. Voilà. Merci. Oh, j'avais pas vu! Oh, j'avais pas vu ça. Mais ça, c'est trop mignon. Mais regardez-moi ça. Mais il faut que je fasse un truc avec ça. Je vais faire un truc avec ça. Des petits lapins en crochet avec leur petite queue en pompon là. Oh, c'est trop sympa. Merci beaucoup. Franchement, c'est trop bien. Et des petites fleurs comme ça, j'adore. Les toutes petites comme ça. Faites au crochet. Moi, j'ai essayé, franchement, j'ai essayé le crochet. Et c'est pas ma tasse de thé. Pas du tout, du tout. Bah, j'allais dire Sandra. Sandrine et Louise, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Je garde votre adresse dans mon cahier aussi. Hein, voilà. Bisous, merci les filles. Et je vais passer au courrier suivant. Je me réinstalle parce que je suis en train de me retourner, de revenir. Je suis un peu perdue des fois. Et là, j'ai une grande enveloppe à bulles qui me vient de Marseille, qui me vient de Aurélie. Alias le scrap de Miss Miss sur YouTube. Voilà, une grande enveloppe comme ça. Il y a une boîte à l'intérieur, je sens une boîte. Donc bah, on va voir ce qu'il y a dedans. Par contre, bah, là je vais pas pouvoir m'utiliser ça, m'utiliser. Je vais pas pouvoir m'utiliser. Hein. Donc on va arracher. Ah encore, mais il faut que je fasse un poulailler, c'est pas possible. Ah super, les filles, franchement, vous êtes géniales. Et ben, je suis passée chez Emma hier, quand j'étais au Forum des Halles. Et ben, je les ai pas vues. Mais bon. Hop. Ah bah ouais. Et ben oui, ça c'est trop beau. C'est les die cuts, moi, que j'ai acheté aussi chez FDECO il y a quelques temps. Merci beaucoup. Donc les petits piou-piou là. Il va vraiment falloir. En plus, ils sont sur pince aussi, ceux-là. C'est pas mal. Donc il y en a 10. Merci beaucoup. Et ils viennent de chez Emma. Voilà. Donc je vais ouvrir ton courrier. Non, non, Boubou, tu me laisses. C'est Michi qui pleure. Et oh là là. Regardez, je vais vous ouvrir comme j'ai découvert. Hop. Bah voilà quoi. Tout est dit. Il y a le petit lapin et tout. Enfin, franchement, cette collection, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. J'avais craqué aussi dessus. J'avais fait une boîte. J'avais fait des trucs avec. J'aime trop cette boîte. Je pense que c'est ce que tu cherchais. Ça vient de chez Emma. J'espère que tu as. Ah oui, mais oui, la carte, elle me plaît. Oh, ton tampon, il est beau aussi. Hein. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai essayé de faire simple. Lol. Bah, moi, c'est ce que j'aime de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Bah, merci beaucoup. Super sympa. Voilà. Et les die cuts, là, ils sont franchement, ils sont super beaux. Bah, merci d'avoir pensé à mes petits piou-piou. Voilà. Mais il n'y a plus qu'à. Faut que je fasse. Je sais même plus. J'avais regardé l'autre jour, je crois. Quand est-ce que c'était Pâques? Je crois que c'est vers le 20. Je ne me rappelle plus quand est-ce que c'est. Il va falloir que je m'active un peu. Je vais chercher, je suis en train de chercher sur Google et mon ami. Hein. Date Pâques. 12 avril. Ok.
Bah si, il me semble que j'avais regardé déjà, 12 avril. Donc bon, on a tout le mois de mars pour faire des créations de Pâques. Bah écoutez les filles, un grand 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 merci. Merci de, bah, de compléter toutes mes collections du coup, hein, les ATC, les ATS, les mémoires. Ah là j'ai eu pour les ATC, pour les ATS, pour les... Non pas ATC, ATCoin. ATS, Memoredex, les petits poussins. Vous êtes formidables, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant je vais noter vos petites adresses dans mon carnet. Et puis je vais continuer mes courriers parce que j'ai pas encore fini. Hein. Ah ça usine, hein. Ça usine, ça usine. Alors là il y a celles qui sont terminées. Là il y a celles qui sont en cours. Et il y en a aussi, je ferai une vidéo spéciale parce que là, je ne sais pas comment je vais l'intégrer dans le titre. Je crois qu'il y a 2-3 personnes que j'ai pas l'adresse. Ouais, j'ai pas l'adresse, je crois, de Nanny Scrap, de... Ah, je sais plus. Bon, je vais en parler là, mais je referai une vidéo. Je referai une vidéo à ce sujet. Parce que ça m'embête, j'ai pas les adresses. J'avais noté les noms ici et j'ai pas les adresses. Maddy Sibyl, Sbyl, je sais pas comment on dit Sibyl. Ouais, ça j'ai pas ton adresse. Et j'ai Nicole, Léonie. Voilà. J'ai pas ton adresse non plus. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, hein. Je suis pas sûre, mais je referai une vidéo là-dessus parce que bah, ça m'embête quoi. Voilà, ça m'embête. Voilà, bon, moi bah, j'arrête ici. J'espère que cette vidéo, oui, je suis un peu fatiguée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, il est 20h. Je sais même pas ce qu'on va manger ce soir encore. Bref, j'ai fini à 19h. Je suis quand même assez rapide. Je suis rentrée, je fais la vidéo. Bon, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous.